Bonjour Croutel. Bonjour la production. Oh là, oh. Doucement Croutel. Excusez-moi. Je vois que vous avez pas mal double-cliqué récemment. Bah... Comment s'appelle le jeu auquel on va jouer? Attends, une seconde. Oui. Regardez, la production a fait fort. Hein? Regardez les trous pour mes lunettes. Croutel avait réclamé. Super. Merci non. Tipeee, merci d'avoir donné de l'argent sur Tipeee. Ça nous a permis de financer des trous. Envoyez plein de sous et il aura plein de trous partout. Ça va être magnifique. À quoi va-t-on jouer Croutel, s'il vous plaît? Aujourd'hui, The Forest. D'accord, donc c'est un jeu, est-ce qu'il y a Florence Foresti dedans, par exemple? Ah, je ne l'ai pas vu. Ah, c'est pas The Foresti alors, c'est The Forest. La forêt en anglais. Parce que c'est un jeu qui se passe en Angleterre. Ah bon? Putain, je sais pas où je suis. Hein. Il n'y a que des arbres, de l'eau, des cailloux. C'est la Bretagne. Ouais, mais sauf que les autochtones, c'est pas des Bretons. Hein. Ils sont plus gentils, donc c'est des gens plutôt sympas. C'est des cannibales, oui. Parce qu'à alors, c'est des Bretons. Comme on dit, tout de go. Tout de go! Yes! Donc, en gros... The Forest. Non, il n'y a pas le i. Ah, c'est déçu. Non, c'est The Forest. Oh, c'est gentil chez vous. C'est pas très propre, mais j'ai pas eu le temps de faire le bédage. Oh. Je suis arrivé en avion, je me suis cassé la gueule sur l'île. Comme il y avait des gens qui me cherchaient des noises, je me suis barré le plus vite possible. Et j'ai vu que sur la mer, il y avait un bateau. Je sais que ça. Ça, c'est ma petite réserve. J'ai fait des courses. Ah, vous avez une bâche. Et oh, bah, qu'est-ce que c'est? Il y a des crânes humains dedans, là. Oui, bah, ça, c'est pour faire des lampes. Ah d'accord, si vous êtes ce petit côté Hellfest, on fera un tuto sur la chaîne un jour. Comment faire une jolie lampe à partir d'un crâne de personne bretonne, morte. Oui, donc là, vous voyez mon estomac qui clignote. Ah oui, l'estomac. Quand on a l'estomac qui clignote, il faut faire quelque chose. Composez-moi un truc. Donc d'abord, j'ai un bout de bois. Je vais rajouter un petit chiffon. Imagine tout de suite ce que ça peut donner. Donc je vais rajouter un peu d'alcool sur le chiffon. Toujours rajouter de l'alcool sur le chiffon quand on a l'estomac qui clignote. Les amis, vous avez des aubergines? Non, c'est de la viande ça. C'est de la tortue parce que vous avez... j'ai rien trouvé d'autre à bouffer. Et puis c'est celles qui vont le moins vite. Alors. Un petit coca. Donc. Apparemment, se nourrir de tortue et de coca, ça fait perdre ses chicots. Et là, je vais prendre un encas. Barre d'énergie. Une barre Lyon ou Mars, hein, pas de publicité. Si vous voulez nous donner de l'argent, pas de soucis. Ah, bon, d'accord. C'est le début de la journée, mais c'est beau quand même, le lever du soleil. Ah ouais, c'est bien foutu les graphiques. Hein. Ah bah, le briquet dans l'eau, d'accord. Oui, non, bah il... Il a constamment un briquet. Pourquoi qui a le droit voilà, Oh bah, qu'est-ce que c'est sur la table que j'ai vu là? Il y a une tête humaine sur votre table basse. Oui, mais à force de la voir, elle me chaîne plus. Ah mais il a une fourchette dans la bouche, vous le nourrissez quand même. Oui. Ah d'accord. C'est votre copain, c'est votre ami imaginaire. Comment on peut l'appeler? Ah bah je sais pas, Bozo. Bozo, ça sera Bozo la tête morte. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est le carnet, mais c'est trop compliqué pour l'instant. Okay. Vous sous-entendez que je suis trop con? Je comprendrai que quand j'aurai 18 ans. Je veux la tortue. Oh non, mais ça... Voilà, elle est morte. Quand je tue une tortue, je la mets sur pilote. Vous vous êtes lancé dans... Petite entreprise d'artisanat locale. C'est que de l'eau, ça, quand il pleut. Vous avez des drôles de verre, vous. Tiens, on l'a eu. Non. Voilà, hop là, un petit coup. Elle est pas morte. Non. Ne touche pas cette tortue. Il me faut du beefsteak. J'en avais plein, tellement il est pourri dans votre sac. Oh. Alors attendez, est-ce qu'il y a une histoire? Alors oui, il y a une histoire. On s'est cassé la figure sur cette île, apparemment. Et j'avais mon fils avec moi. Et quand votre fils? Donc vous devez me sauver la vie. Bah sauve-moi, papa. Qu'est-ce que tu fous à faire des saucisses de tortue là? Pendant ce temps-là, moi je me fais violer dans une grotte ou je sais pas quoi. Bah, quand j'y vais dans la grotte, je suis pas à l'aise. Parce qu'ils m'ont chauffé. Moi je suis à l'aise, moi. Apparemment, ils ont un culte pour les enfants là, que j'ai vu un mot bizarre. Ça me rassure pas du tout. Bon, est-ce qu'on peut se dépêcher d'aller me sauver? Regardez ce stock de bois. Oh là là. Il y en a 42. Donc je rappelle que pendant ce temps-là, je suis en train de me faire enculter dans une grotte et que monsieur fait du stock de bois. Donc ce stock de bois, il est suffisant pour me faire une péniche. Donc vous faites carrément du tourisme? Mais non, je fais un moyen de transport pour faire le tour de l'île sans me faire gauler. Je vais vous montrer, je vais aller là-haut, je vais me faire bouffer. Hein. Par les Bretons? Alors là, vous voyez, les petits bois comme ça, c'est bon parce que ça permet de construire Non, c'est bon pour la construction. Ah, tant pis pour les tortues. J'ai fait des réserves. Là, il y a une valise. Je mâche. Je suis pas très bon en mâche. Vous êtes meilleur en paix. Il y a un village dans le coin, mais j'ai peur. Voilà. C'est les Bretons? Les autochtones. Double cliquette. Attends. Ah, ça, ils vont aussi. Ah, ben voilà. Vous voyez, ça, c'est terrible. Hein. Ils me font peur, c'est con.
Et après, ils me traînent. Enfin, ils vont me mettre au garde-manger. Ils vont vous faire boire ils vous mettent dans une grotte au garde-manger. Et on est où là? Ah ben là, on est dans la grotte, je suis pas. Vous entendez? C'est un bignou, on entend. Je vais m'enseigner, il doit y avoir des grottes en Bretagne. Et c'est là-dedans que je suis retenu, moi. Oh, il se casse. Ah oui, mais je me casse tout de suite. Moi. La poudre d'escampette, comme j'ai, on dit. Mais oui, mais j'ai pas d'armes. Oui, ben je vais me faire engueuler. Je m'enseigne sur les grottes en Bretagne. C'était une équipe de joueurs de tennis, regardez. Oh, c'est Federer, j'ai reconnu. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils ont mis une botte sur la tête. C'est n'importe quoi. Ça doit être les Interceltiques, parce qu'il n'y a personne au village. Ils doivent être tous à Lorient. Ou... Oh là là, il y a une grosse bête. Oui, oui, c'est pour moi, ça. Ah bah non, c'est une bête rapide. Il court trop vite, c'est pas pour moi. Et dans 10 ans, je m'en irai. Oh, il danse. J'entends le loup et le var enchanter. Il y a la grotte du diable à Huelgoat. Ça se passe à Huelgoat. On avance. Attention, c'est peut-être une falaise. Oui, mais tant pis. S'ils arrivent, je saute. Pourquoi? Parce que j'ai peur. Moi, je peux aller dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ah, ils vont pas dans l'eau? Non, jusqu'à la ceinture. Ah, c'est pas... Ah, c'est des Bretons. Ils vont dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ils vont soit sur des bateaux, soit dans l'eau jusqu'aux genoux, mais ils ne vont pas plus, voilà. Les Bretons. Ils se baignent pas, c'est trop froid. Le chef, je suis sûr, c'est Kersauzon ou un truc comme ça. Si on entend un mec... Oh, ah non, c'est bon, il y a une plage, c'est cool. Ouais. Bon, moi, je suis quand même inquiet pour votre fils. Attendez, j'ai d'autres soucis pour l'instant. Faut absolument que je construise ma péniche. Bah au moins ça vous lave un peu parce que bah, vous étiez plein de sang de je sais pas quoi là. Le sang de votre fils sans doute. Il s'appelle comment? Ah bah non, je sais pas. Je pense qu'il s'appelle Genawel. C'est un jeu à base d'eau. Non, mais ça c'est moi. Je suis dans l'eau parce que j'ai peur des cannibales. Bon, on les remarque hein, souvent quand on se promène sur les plages, il y a des gens qui ont peur. Ils passent au loin. Ils sont à 1 km de la côte et ils rentrent chez eux tout habillés pas avoir d'embrouille. On sent la peur. Mais j'aimerais ça pue la trouille. J'aimerais bien montrer ma péniche quand même. Ce sera le titre de l'épisode. Croutel vous fait montrer sa péniche. On va pas vous donner plus d'indices. Mon péniche. Sur la non. Mon péniche. Voilà, bon, il l'a fait. En fait, on parle de la bite. Elles exagèrent les tortues quand même. Elles exagèrent les tortues? Elles exagèrent, elles viennent me narguer. Mais tu crois vraiment qu'elles sont conscientes? Elles viendraient pas là, je pense. Hein. Connaissant votre rapport aux tortues, peut-être faut les suivre, elles vont te guider directement dans un supermarché. Très sympa. C'est parce qu'elles vont à Nose. C'est quoi la tombe là? J'ai trouvé une photo de bateau au pied. Philippe de Kersauzon. Le pauvre. Il est pas pauvre, hein, si j'ai bien compris. Non. Il y a un lit de camp, on peut pas le prendre. Vous êtes peut-être à Notre-Dame-des-Landes. Mais c'est fini, Notre-Dame-des-Landes. Non. Ça s'est fini dans un carnage. On a retrouvé des têtes avec des bottes sur la tête au bout de piqué. Ils ont des drôles de mœurs à Notre-Dame-des-Landes. Donc, il doit y avoir quelqu'un de vivant quelque part. Erwan? Gaëtan? Nolwenn? Ah non, pas Nolwenn, non, en fait, non. Oh là là. Merde! Bonjour! C'est. Ah, ils se sont greffés des têtes. Ils sont mis des têtes? Ils sont sympas. Tout va bien. Oh, oui, non. Kenavolé, il faut les Kenavoler. Kenavo! Il faut les grenier. Vous êtes dead. Je lui ai proposé ça ou Lederman, le truc des poneys, et donc il a pris ça. Ah non, je vais pas proposer le truc des poneys. Non. J'aurais peut-être dû, vu le visage, le regard qu'il m'a fait, je pense que j'aurais dû lui proposer les poneys. Et on y va. En avant, Guingamp. Hop, dans la boue. Ça marche. J'ai une carte, mais alors, elle a ce site particulier, c'est qu'on ne voit rien. C'est une carte qui a ce site particulier, en effet. Et je vais défoncer la Valoche. Valoche, c'est une des personnes... J'ai vu une tente. C'est une amie... Ah, c'est une tente. Défonce-moi la Valoche. Ah, yak. Oh. Défonce-le, éclate-le. Ah, je crois que vous avez touché un... Oh, ça y est. C'est pour ça que je vais pas chercher mon fils. Dans la vraie vie, ça serait pareil? Non, bah non. Imaginez qu'au bout du tunnel, j'aurais du matos. Il y a ce petit faciès là qui vous attend. J'aurais du matos. Papa, aide-moi. Je vais mourir, papa. Bah attends, mon fils. Ils m'ont épilé entièrement tout le corps. Ils m'ont fait manger du tipiak. Bon, du coup, du bignou depuis 15 jours. On retourne. On retourne. Bon, en mode survie difficile. Pas en ennemi. Hein? Ça existe? Non, ça existe pas. Non, survie difficile. Ah oh, non. Mais le... Oh, pour rigoler. Ouais. C'est Florence Foresti ou c'est pas Florence Foresti? Okay. Je suis là. Je vous tiens la main. Alors, Croutel m'a expressément demandé est-ce que, s'il te plaît, je peux mettre le jeu en mode survie difficile? On y va, Croutel! Go! J'étais pas pour. Alors là, on va voir le début de l'histoire. On est dans là, voilà, vous allez voir mon fils. Ah, bah voilà! C'est un petit rouquin.
D'ailleurs, je il est vieux, donc. C'est une vieille personne. Mais non, c'est un petit rouquin. Bah, d'où les garnis, roux. Profitez bien de votre gamelle, là. Mangez maintenant un max. Mangez toutes les gamelles des gens qui dorment dans l'avion. Mais... Parce qu'on sait très bien comment ça... Timmy, c'était écrit depuis le début. Hein. Je sais pas pourquoi, les cheveux roux. Hein. Tue-le immédiatement. Voilà la plaque. Non, la bonne bouffe. Non, voilà. C'est parti pour voilà. 33 jours de tortue. J'en ai marre de la tortue. Alors, vous allez voir l'espèce de grand escogriffe. Un escogriffe? Ouais, là, regardez. Vous voyez, là, il vient piquer mon gamin. Vous voyez, il le prend, mais en douceur. Vous voyez, il me semble qu'il a un air protecteur, malgré sa laideur. Ah bon, on devrait le laisser là, du coup. Non, non, ça. Non, mais je me dis, j'ai le temps. Ah, ça vous rassure un petit peu. Bah, je me dis... J'ai vu des mecs protecteurs avec les enfants, ça finissait pas bien. J'ai vu la culotte de la dame. Il est focus, hein, Crouté. Non, regarde. Oh bah, c'est clair, hein. C'est le début du jeu, on a une schneck. Ouais, on laisse la dame. La pauvre dame, faut que je cogne dessus, je crois. Oui, faut que je la massacre. Pourquoi? Il faut que je la massacre. Mais pourquoi faire? Pour lui prendre ses fringues. Mais vous avez quand même pas porté ses fringues? Pourquoi? Je vais couper un bras. Vous avez peut-être eu un père qui vous apprend à dépecer les lapins, bah le mien il m'apprend à dépecer les hôtesses. Va récupérer ton gosse. Mais on sait si c'était pas. Possible, il n'y aurait plus de jeu. Faut aller dans la grotte, faut tous leur casser la gueule. Il n'y a plus rien à dire. J'ai même fait moucher mon petit nez. Je sais pas me battre. Mais vous allez apprendre, Croutel. Comment? Double cliquette. Il me laisse pas. Kick, RT, gâchette, tout ce que vous voulez. Ben dans la gueule. Mais c'est ce que je fais, les double cliquettes. On fonce, on défonce. On pourrait écrire SOS là. On va pas écrire SOS, on va casser des gueules. C'est beau, hein, Lille. Oh, il y a la neige. Vous êtes beaucoup trop poète. Vous ne laissez pas déconcentrer par la beauté de la nature. Ouh. Sur la plage, c'est des cums là ou c'est des... Ils font caca là sur la plage, mais les mecs. Ils sont peut-être à la chasse, regarde. Défonce-les. Pas un canavo, rien. Ah. Tiens, ils ont peur. Ils ont la technique du cri, excellent. Ah. Très bonne initiative. Allez. Non. Non. Oh non. Bon, c'est la grotte. Non. C'est la grotte. Putain. Je suis habillé comme la dame. Les mecs sont clairement homophobes. Transforest, ça s'appelle. Mais si j'avais une arme. Pour ça, quand vous prenez l'avion, prenez toujours un pompe, on sait jamais. J'ai ma jupe toute tachée. C'est vrai. Je pense que c'est le cadet de vos soucis. J'aime bien être propre. Être propre et avoir un enfant viable, enfin, vivant, je veux dire. Mais il est vivant. C'est quand même important, Croutel. Je suis sûr qu'il chuchote. Oh, il n'y a pas une cage là-haut. Qu'il le chuchote. En tout cas, c'est pas des gens fut-fut qui vous laissent avec votre briquet et votre hache. Ma hache, oui, c'est pas très malin. Ça devrait vous rassurer de savoir que c'est des gens complètement stupides. Pas si stupides que ça. En quoi ils ont prouvé leur intelligence? Bah, ils ont toujours gagné la bataille. Hein. Mais ils se mettent à plusieurs. Voilà. Leur intelligence, c'est quoi? C'est d'être à plusieurs. Et là, on est quoi, Croutel? On est deux. Ah oui, d'accord, mais vous faites pas grand-chose. Alors, vous voulez que je clique? Apparemment. Regardez. Oh, arrêtez, arrêtez. Je vais faire la double cliquette. Hein. Ah, mais c'est bien, ça. Vous voulez que je vous aide? Ouais, vous allez m'aider. Je vais faire la double cliquette. Comme vous m'avez enseigné. Voilà. Donc là, c'est peut-être la salle à manger. Ah! Oh, putain. Oh, non! Oh, putain, il va me bouffer encore. C'est très agréable de s'y promener dans la campagne, de construire des trucs. Ça me va très bien. Mais j'aimerais au moins avoir la possibilité de les tuer. Voilà, c'était la critique de Croutel de ce jeu The Foresty. Ne jouez pas à cette merde, c'est injouable. C'est ça, hein, le... Oh bah, faut pas dire ça quand même, c'est dur pour les concepteurs. Ah ouais. Donc, si vous voulez nous aider à acheter d'autres jeux, n'hésitez pas à mettre un peu d'argent sur Tipeee. Si vous êtes un développeur de jeu et que Croutel se propose pour tester votre jeu et vous donner son avis. Bah, avec plaisir. Bon, et ben merci beaucoup, Croutel. Merci. On fait la danse. Ah, vous avez la musique? Ah oui, non. C'est la musique de Fortnite. Pourriez-vous casser la gueule pour... Ah, comme l'autre fois. Hop. Oh, là, bon, ça va. Hey. C'est infini. Ça dure une heure. Comme ça?